Les conifères sont des végétaux très faciles parce qu'ils résistent à la fois au froid et au chaud. Mais pour avoir un beau conifère, il ne faut pas hésiter à la fois à le tailler et à le nettoyer, enlever les branches mortes, enlever les aiguilles aussi des fois qui gênent la structure. Et c'est encore plus facile que l'entretien d'un rosier. C'est deux fois par an, au printemps et à l'automne. Et un conifère, c'est surtout un sol bien drainé, une exposition qui va bien. Et non, c'est une plante facile, très développement durable, qui résiste au froid et qui résiste à la sécheresse. On vous invite à regarder les conifères au printemps avec un œil nouveau, puisque vous avez des pousses absolument magiques, notamment par exemple un petit Picea biasridal qui va vous faire des jeunes pousses toutes rouges. Et puis vous allez avoir aussi la découverte des fleurs des conifères, donc avec un intérêt par exemple sur des sapins de Corée, vous allez avoir des fleurs de toutes les couleurs. Donc les jeunes pousses, vous avez des variétés étonnantes, par exemple un Picea aussi orientalis aureo spicata qui va devenir tout jaune. Voilà, donc au printemps, ayez un regard différent sur les pousses des conifères. Alors aujourd'hui, notre collection compte 800 taxons, on en développe à la vente à peu près entre 500 et 600.